Une drôle de surprise aujourd'hui, ben cette semaine, j'ai téléphoné au concessionnaire du camping-car pour savoir si tout était toujours bon pour le 30 mars, si Coquelicot, mon camping-car, sera prêt pour cette date-là, puisque j'ai demandé quelques travaux d'aménagement par rapport à l'électricité, installation de choses pour que je puisse travailler tranquillement avec mon ordinateur. Et là, surprise, on m'a sorti tout un blabla de professionnels, alors que moi je ne suis qu'une cliente, non, je ne suis pas au courant des aléas de livraison de ci de là, à savoir quand même que je m'y suis prise presque 4 mois avant pour demander certains petits travaux, par exemple enlever la télé, enlever un rideau, que j'avais fait une vidéo, je vous avais dit, pour enlever un rideau de douche, pas de douche pardon, dans les toilettes, un rideau plastique, voilà, qui ne m'intéressait pas, qui faisait du poids en plus, inutile. Donc, du coup, je ne sais pas, ils doivent me rappeler pour me dire si oui ou non, le 30 mars, je pourrai aller chercher Coquelicot. Voilà, après 4 mois de commande. Je ne suis pas concessionnaire, je ne suis pas une pro du camping-car, donc oui, je suis très surprise. Alors oui, c'est pas dramatique si je n'ai pas Coquelicot le 30 mars. Seulement, Krissa et moi, on a des dates, on a prévu des choses, etc. Plus rien n'est prévu. Voilà. J'avais prévu, par exemple, de faire une crémaillère du camping-car le 31 mars avec des amis, de la famille et tout. Et tout est en suspens, on ne sait pas, on attend que... La concessionnaire, la dame, la patronne m'appelle pour me dire ok pour le 30 mars ou non, pas pour le 30 mars. Alors vu qu'après il y a le lundi de Pâques, etc., donc ça nous repousserait éventuellement jusqu'au 7, 8, 9, je ne sais pas, avril. Voilà, l'aventure est engagée. Bonjour la chérie, d'ici, d'ailleurs. Ça y est, Krissa est réveillée. Ça va? Ouais. Ça va tout le monde? Bien. Alors, je tente de préparer un dessous de plat avec des bouchons. J'ai des bouchons, je fais un tri parce que j'ai plus beaucoup de bouchons différents. Mais je vais essayer de faire quelque chose de joli. J'ai ces bouchons-là. J'ai des bouchons de champagne, mais avec des bouchons de champagne, j'ai prévu faire autre chose. Voilà. Pourquoi tu fais des dessous de plat en bouchon? Pourquoi tu bricoles? Parce que premièrement, j'adore bricoler, j'adore faire ça, j'adore faire des choses avec, des objets récupérés. Hein? Et puis ensuite, j'aimerais bien vendre aussi, hein? Bien évidemment, ça se vend ça. Hein? Je peux vous montrer un tout prêt que je fais pour moi-même. Alors, on va pousser la table. Voilà, ça ressemble à ça. Et ça va super bien dans les camping-cars parce que c'est pas lourd, c'est très léger et c'est vraiment pratique. Hein? Parce que normalement, les dessous de plat, c'est assez lourd, c'est en pierre, c'est en métal, c'est en céramique, ce sont des morceaux de carreaux ou des choses comme ça. Et ça, c'est un bouchon, c'est hyper léger. C'est juste un morceau de carton, voilà. Et on peut faire différentes tailles, différentes formes. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Travaillé pendant 44 ans, je trouvais que c'est largement assez, donc j'ai dit. Bon, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai travaillé dans 3 pays différents et dans ces 3 pays différents, l'âge au départ de la retraite, c'est à des âges différents, disons comme ça.
Donc, le moment où j'arrive à avoir la totalité de ma retraite, eh bien, je suis assez serrée et ça fait un peu juste. Donc, je me cherche des rentrées d'argent pour arrondir les fins de mois et le manque de retraite, tout simplement. Voilà. Alors, moi, je suis à mon compte. Je suis prestataire de service pour une boîte, mais je ne gagne pas une fortune, pas assez pour vivre ce que j'ai envie de vivre en camping-car. Donc, il me faut aussi une activité. Alors là, ce que j'ai fait, je démarre, attendez, voilà, en direct live. C'est pas grave. Ça y est, il est parti. Rien, ça fait rien. Donc, moi, je me lance dans une activité qui me fait envie. J'ai envie d'un truc nouveau. Christa a de la chance parce qu'elle est une pro en couture et tout. Moi, je suis complètement novice. Hier, j'ai passé plus d'une heure rien que pour mettre la canette et du fil sur la machine à coudre que je me suis achetée. Mais je me lance dans la couture de petits bricolages. Voilà la première activité que je vais vous faire suivre au cours des vidéos. Voilà. Alors voilà Ambre. Elle prépare sa place de couture, sa machine à coudre. On est toute tremblante. Toute tremblante. Voilà. Elle a une toute belle machine à coudre. Ouais. Ah mais j'ai réussi à mettre le fil là et j'ai réussi après avoir lu le mode d'emploi pendant plus d'une heure. Alors attendez parce qu'il faut enlever un truc là. Ah ben voilà, j'ai réussi. Voilà. Ah oui mais c'est pas facile quand on touche un appareil, peu importe lequel, pour la première fois. On n'a pas vraiment l'habitude, c'est pas facile. J'ai pas du tout l'habitude. C'est facile. C'est une nouvelle activité que j'ai vraiment envie de découvrir. Ouais. J'ai vraiment envie de récupérer. Là, c'est un paréo que j'ai découpé. Ouais. Et je veux faire des petits sacs à vrac. D'accord. Qu'est-ce que c'est un sac à vrac? Alors, c'est un tout petit sac. Après, à la fin, ça sera petit comme ça. Ou dedans, on peut mettre directement du riz, des pois chiches, des choses comme ça. C'est quelque chose pour remplacer les poches plastiques qu'on a dans les commerces. Voilà, exactement. Okay. Donc, je trouve ça très, très bien. C'est oui, réutilisable. Oui. En plus, c'est joli. En plus, tu peux le laver. Voilà, on peut les laver. Et je les ai coupés. D'accord. Mais pour l'instant, il fallait que j'arrive à dompter la machine. J'ai réussi à mettre la canette. C'est déjà un événement. Voilà. Ouais. Mais enfin, ça m'a pris quand même plus d'une heure. Hein. J'exagère pas du tout. Ouais. J'ai potassé le mode d'emploi là. Non, mais attendez, je vais garder la Bible. Voilà. Ça, il faut que ça je l'ai potassé quoi. À côté de toi. Voilà. Oui, oui. Et puis, j'ai pas pu continuer tout simplement parce que je savais pas, j'avais oublié oui. qu'il fallait des épingles. Donc. Il a fallu que j'attende le retour de Chrissa pour qu'elle me donne des épingles. Parce que quand j'ai vu le prix des épingles, oui, ça m'a calmé. Très, très cher. 8 euros, ouais. Une toute petite ça boîte comme ça, c'est bon. Et Chrissa, je sais qu'elle en a plein. Ouais. Donc j'en ai piqué un petit peu à Chris. Voilà. Parce que ouais. ça normalement, ça s'accroche sur sa machine. Voilà, ça c'est le petit coussin que j'ai cousu. Voilà, pour fixer sur ma machine à coudre. Voilà. Ah, elle a piqué. Voleuse. Voilà. Et là, je compte sur Christa pour m'aider ouais, parce que ouais. je veux faire un ourlet pour mettre une petite bandoulière. Pour lui faire j'ai même. Vu plein de tutos oui. sur YouTube, oui. sur partout. Oui. Vous êtes mignonnes, les filles, de faire des tutos. Seulement, vous vous adressez à une nono de la couture. Donc, pour faire tes sacs à vrac, il faut plutôt un tissu léger. Voilà, il est tout léger, mon pari. Il est tout léger, d'accord. Okay. Non, parce que si tu mets tes fruits et légumes là-dedans, au niveau ah de peser, ça va. Il ne faut pas que ça voilà. pèse plus qu'une poche plastique, quoi. En gros, c'est voilà. ça. Et puis après, je vais faire. J'ai la prétention de vouloir faire des sacs de course en oui. tissu. Oui. Ils seront uniques, puisque ça sera toujours de la récupération. Puisque j'ai le même état d'esprit que Chrissa, c'est-à-dire ouais. la récupération, et essayer de les vendre 3 francs 6 sous oui. pour justement arrondir mes fins de mois. D'accord. Mais
je me lance quand même dans une nouvelle activité. Mais bon courage. Je m'amuse. Mais de toute façon, il y a Chris à côté. Ah oui. Ah oui. Si vraiment t'as un problème, oui. Tu sais très bien, tu peux toujours me demander, il n'y a aucun souci. De toute façon, si t'étais pas là, j'aurais pas fait, parce que rien devant la machine, j'ai peur. Je tremble. Allez, fais voir un peu ta machine, qu'est-ce que tu as comme machine là? Ah, j'ai pas investi beaucoup. Ah, c'est une Pfaff, c'est super ça. Pfaff, c'est une très 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 bonne marque. Ouais, j'ai acheté sur Amazon et elle était un peu plus de 100 €, j'ai trouvé que c'était honnête. Voilà. Ouais. Bon, mais écoute, je vais te laisser à tes essais de machine à coudre. À bientôt les chéris. Attention, n'oubliez pas, vivez votre vie, parce que c'est votre aventure unique, d'accord? Et abonnez-vous, et suivez-nous dans les tout débuts et la suite, bien sûr, parce que là, c'est dans le QG, tout ça, mais après, on sera en camping-car. Ah oui, parce que là, vous voyez bien, on n'est pas ni dans Coquelicot, ni dans Fox, d'ailleurs, Coquelicot n'est pas encore arrivé. Voilà. Mais... nous sommes dans le QG de l'atelier, voilà, et puis ensuite tout ça, on va être emballé avec nous, dans les camping-cars. Voilà. Attends, je vais te filmer aussi. Voilà, alors ça c'est le coin à toi, Christa. Ça c'est mon coin atelier dans le QG, voilà. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'ateliers, il y a surtout mes ordinateurs, imprimantes et ainsi de suite. Parce que je suis à fond dans l'organisation de la convention annuelle mondiale du book crossing qui aura lieu le 20, 21, 22 avril ici à Bordeaux. Je vous parlerai à un autre moment du book crossing, c'est quelque chose qui me tient au cœur. Sinon, c'est mon petit coin, voilà, il y a ma machine à coudre qui est là pour le moment. Je t'ai piqué les épingles. Ou Ambre m'a piqué les épingles. Bon, tu m'as piqué les épingles, exactement. Et j'ai la surjetteuse dans Foxy qui est dans la soute sous le lit, qui me sert aussi. Mais pour le prochain voyage, pour le prochain départ, je ne sais pas encore si je veux garder avec moi la surjetteuse ou plutôt la machine à coudre. Je ne sais pas encore. Parce que... Bon, mais si toi tu amènes ta machine à coudre, je pense que je veux garder la surjetteuse, comme ça on aura au besoin les deux. Ah bah oui. Pour travailler correctement sur la route, sur tout ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a des moments, par exemple sur les tote bags que tu vas créer, tu peux faire plein de choses avec la surjetteuse, mais pour faire les ourlets et certaines finitions, il vaut mieux utiliser une machine à coudre. Ouais. Et puis de toute façon, si tu en as besoin, tu sais très bien que je te la passe. Je sais très bien que je pourrais, ou à la limite, je viendrai chez toi pour coudre chez toi. Ah, voilà. Chez moi, chez Coquelicot. Chez Coquelicot, voilà. Voilà pour le moment mon atelier qui n'est actuellement pas vraiment atelier, mais plutôt poste d'organisation. QG du book crossing, quoi. C'est vrai que je n'ai pas précisé tout à l'heure quand je montrais à nos amis, à mes chéris de partout. Tu dors, tu es au QG, mais tu vis toujours dans le dans Foxy, sûr, hein, tu ne vis pas dans la maison. Ah oui, non. Moi je suis fidèle à Foxy. Ça fait presque un an que je suis là. Et je me sens super bien. Donc, je suis dans Foxy, même si je suis branchée là actuellement au niveau électricité et tout ça chez Ambre, j'ai de l'eau, j'ai ce qu'il faut, mais je continue à vivre, à rester dans Foxy, ouais, absolument, parce que voilà. Bon, ben, on va vous laisser manger du boulot, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot, et puis je vous dis à bientôt, vivez votre vie comme vous le souhaitez, abonnez-vous. Cliquez sur le pouce, hein? Oui. Et à bientôt. Au revoir. Bisous.